Hand in hand we'll stroll the land in peace and harmony. We'll be friends till the end, buddies, you and me. Sun above, heart full of love, flowers all around. On est ici pour enquêter sur la météorite, si bien sûr, il s'agit de ça. Oh, oh. C'est un rocher qui saigne. Alors ça, c'est étrange. C'est incroyable de pouvoir le contempler. C'est comme s'ils évoluaient. On dirait que nos petits se développent. Et j'espère qu'ils n'iront pas jusqu'à la puberté. Il y a une bestiole dans ma combinaison! Non, c'est impossible, elle est étanche! Ne me dis pas ça, je sais très bien qu'il y a une bestiole dans ma... Wouh! Elle est en moi! Sortez cette chose! Ça va aller, Harry. Oh. Vous allez passer par où? Je vais essayer de passer par le colon. Oh. Retrouvez-le! Je vais chercher le lubrifiant. Pas le temps pour le lubrifiant! Faut toujours prendre le temps de lubrifier! Cet été, est-ce une sorte d'attaque d'alien que l'on voit ici? Nous vous souhaitons une joyeuse fin du monde. Évolution. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui au programme, nous allons nous plonger au cœur d'une comédie fantastique qui avait un potentiel assez fort pour devenir l'un des hits ciné de cet été 2001. Gros budget, gros casting, grosse réalisation, mais qui au final n'eut pas suffisamment de succès pour marquer les consciences, à tel point qu'aujourd'hui, le souvenir de ce long métrage a totalement été évacué par le grand public au profit de certaines œuvres antérieures de son metteur en scène. Ce long métrage, vous l'avez deviné, c'est Évolution, sorti en France le 18 juillet 2001 et réalisé par Ivan Reitman. Grand nom de la comédie américaine de ces 30 dernières années, tchécoslovaque de naissance, canadien de nationalité, Ivan Reitman réalise son tout premier long métrage en 1971, Foxy Lady. Après avoir réalisé Cannibal Girls en 1973, il rencontre Bill Murray et Dan Aykroyd, avec qui il réalisera ses films les plus connus. Arrête de ramer, t'es sur le sable en 1979, Les Bleus en 1981, mais surtout SOS Fantôme en 1984, qui l'imposera comme l'un des réalisateurs de comédies américaines les plus talentueux de sa génération. Suivront L'affaire Chelsea Dearden en 1986, Jumeau en 1988, SOS Fantôme 2 en 1989, Un flic à la maternelle en 1990, Président d'un jour en 1993, Junior en 1994, La fête des pères en 1997, 6 jours 7 nuits en 1998, Ma super ex en 2006 et enfin Sex Friends en 2011. Reitman devrait réaliser SOS Fantôme 3 dont le tournage est actuellement prévu pour l'été 2013. Affaire à suivre. Au casting de notre film du jour, nous pouvons retrouver une brochette d'acteurs et actrices connus, venus de tous les horizons, comédie, drame, science-fiction. À la tête de cette brochette de comédiens et comédiennes, on peut retrouver le célèbre David Duchovny. Lui qui débuta dans la publicité, se consacra à une carrière de comédien dès 1987. Il enchaînera les petits rôles au cinéma, dans Chaplin en 1992 ou Beethoven la même année, et à la télévision dans la série Twin Peaks notamment. En 1993, Duchovny deviendra une star grâce au rôle de l'agent Fox Mulder dans la série phénomène X-Files. Il délaissera alors quelque peu le cinéma jusqu'au début des années 2000 avec la fin de la série X-Files en 2002. On le verra dans des films comme Évolution en 2001, Full Frontal en 2002, Le Prince de Greenwich Village en 2004, Si j'étais toi en 2007, etc. Notons qu'il jouera également dans les deux adaptations ciné de la série télé X-Files en 1998 et 2008. Finalement, Duchovny retournera à la télévision en 2007, où depuis, il interprète le rôle d'Hank Moody dans la série Californication. À ses côtés dans Évolution, nous pouvons retrouver Orlando Jones, Sean William Scott, Julianne Moore, Ted Levine et Dan Aykroyd.
Sans transition, de quoi parle notre film du jour ? Un gigantesque météore s'écrase quelque part dans le désert aride de l'Arizona. En son sein, le météore renferme certains germes, preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Ira Kane, accompagnée de son fidèle ami et acolyte Harry Block, va tenter de percer les secrets de la mystérieuse météorite, mais très vite, ils vont être confrontés à l'armée qui veut étouffer l'affaire. Allison Reed, une épidémiologiste qui bosse pour le gouvernement, va gentiment leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire ici. Seulement, pendant que les hommes se querellent, les germes commencent à muter et de nouvelles formes de vie commencent à jaillir. Reed, Kane, Block ainsi qu'un pompier nommé Wayne Gris vont devoir s'associer pour détruire la menace. Prenons un peu de SOS Fantôme par-ci, un peu de X-Files par-là, un soupçon de Jurassic Park pour les effets visuels, une poignée d'alerte, 2 grammes du mystère Andromède, un peu de Head and Shoulders, avec 2 pincées de divertissement, 4 acteurs in et un metteur en scène établi dans la comédie, et vous obtenez le cocktail parfait pour réaliser un des blockbusters phares de l'été 2001. Manque de bol, Évolution n'a laissé dans le temps qu'une trace infime, loupant auprès du public son ascension, sa révolution. Avant de savoir si le succès mitigé du long métrage de Reitman est justifié ou pas, retour sur les origines. Il y a une chose qu'il faut savoir sur Évolution, c'est que le film que vous avez peut-être vu, le film dont on parle aujourd'hui, aurait pu être complètement différent. En tout cas, tel qu'il a été imaginé à la base, on est loin du résultat qui nous a finalement été livré en salle en 2001. Vers la fin de la décennie 90, Don Jacoby, scénariste, imagine le concept d'un éventuel futur film d'horreur fantastique se situant quelque part entre X-Files et The Thing de John Carpenter. Avec David Diamond et David Westman, scénariste également, il développera son intrigue en ce sens. De cette orientation, il ne reste aujourd'hui presque rien hormis les grosses lignes de l'intrigue d'Évolution. Car Ivan Reitman, dès lors qu'il prendra part au projet, réécrira le scénario pour l'aligner sur l'axe d'une comédie fantastique. Son influence lui permettra de se doter d'un budget conséquent, d'acteurs totalement en vogue à l'époque, Duchovny ou Sean William Scott révélés dans American Pie un an avant, et d'imposer Évolution comme l'une des curiosités cinématographiques de cette été 2001. Doté d'un budget conséquent de 80 millions de dollars, le film d'Ivan Reitman ne réunira qu'à peine plus de 98 millions de dollars de recettes partout dans le monde. Ok, ce n'est pas un échec total, mais on est loin du grand succès public international. Évolution fera malheureusement les frais de critiques très fortement mitigées de la part de la presse spécialisée à l'époque de sa sortie en salle. En France, Évolution n'attirera pas les foules non plus, sans toutefois être un bide royal. 810 000 entrées et puis s'en va. Le succès partagé d'Evolution n'empêchera cependant pas une série d'animation tirée du film de voir le jour. Evolution The Animated Series, nommée également Alienators Evolutions Continues, est une série de 26 épisodes de 24 minutes environ chacun, diffusée sur Fox Kids aux États-Unis et sur M6 en France à la fin de l'année 2001. Une saison et puis hop, disparu. Allez, sans plus tarder, plongeons-nous maintenant dans la critique de notre film du jour. L'humour, comme les goûts et les couleurs, dépend beaucoup de nos propres dispositions envers lui-même. Si je vous raconte une blague carambar, certains riront, d'autres diront que ce n'est pas drôle. De la même façon, si j'ironise sur le temps de cuisson d'un juif dans un four crématoire, certains riront, d'autres diront que c'est du mauvais goût. Eh bien, Évolution, c'est une comédie qui malheureusement divise, car certains y trouveront leur compte, d'autres non. Le premier gros problème d'Évolution, c'est qu'à chaque instant, Ivan Reitman va tenter d'appliquer une recette comico-fantastique qui a brillamment fonctionné quelques années plus tôt avec les films SOS Fantôme. Que cela soit au niveau de l'intrigue, de la caractérisation des personnages, notamment le groupe formé par Duchovny, Moore, Jones et Sean William Scott, Ivan Reitman transpose sans réelle subtilité le schéma qu'il avait lui-même mis en scène dans SOS Fantôme. Malheureusement ici, cela ne fonctionne pas réellement. Déjà parce que les comédiens, hormis Sean William Scott, n'ont pas cette fibre comique, contrairement aux principaux acteurs de Ghostbusters qui ont fait leurs armes et construit leur talent dans l'humour. Sean William Scott, lui, nous refait de but en blanc le même numéro que Stifler dans American Pie.
L'idée de plonger des acteurs tels que Duchovny ou Julianne Moore dans une grosse comédie qui, au passage, est totalement calibrée pour le grand public, ce n'était pas une idée stupide, mais à condition que l'intrigue leur laisse suffisamment le champ libre pour extérioriser leurs idées à propos de leur propre perception de leur rôle et non l'inverse. De fait, on se retrouve face à des acteurs qui patinent comme des gamins devant la caméra avec des faciès, des gamelles, des blagues prout pipi caca. Certainement le tournage a dû être très agréable pour eux, néanmoins le contre-emploi dont ils tentent de faire preuve ne laissera aucune trace dans leur carrière respective. De fait, si Reitman a voulu nous la faire à la SOS Fantôme, sans remettre en question le talent des acteurs d'Évolution, il ne s'est tout simplement pas entouré des bonnes personnes. Deuxième point noir du film, l'humour. Évolution est une œuvre comique et dès le départ, ça commence très mal. Si comme moi, vous n'êtes pas sensible à la multiplication des P, blagues de cul sous-entendus sexuels, genre humour bien lourdingue qui se veut délirant, alors qu'au fond c'est hyper répétitif, très vite, vos yeux se déporteront sur votre montre en espérant au fond de vous que le film avance un poil plus vite. Passé la première moitié du film, Reitman va tenter une approche différente sur l'humour. Du comique lourdingue, il va réorienter l'humour de son œuvre vers quelque chose d'un peu plus percutant, avec des dialogues plus marquants et des scènes beaucoup plus saisissantes, voire assez drôlement trash, comme la séquence de l'extraction par la voie rectale d'un alien dans le corps d'Orlando Jones. Si ce virage amorcé dans l'humour n'est pas pour déplaire aux personnes insensibles à l'humour pipi-caca, il témoigne néanmoins d'un réel manque de positionnement du metteur en scène face au produit qu'il a entre ses mains. D'un point de vue scénaristique, Ivan Reitman tente un peu tout ce qu'il peut pour plaire au public et faire d'Évolution une grosse comédie bien divertissante. Le rendu final n'est pas honteux, Évolution se suit avec beaucoup de facilité et ce malgré un rythme pas toujours très bien dosé. Mais en voulant se positionner à tous les niveaux, humour décalé, plus intrigue à la SOS Fantôme, plus créer des situations comiques alors qu'on est face à des extraterrestres exterminateurs, ce qui nécessite donc une subtilité humoristique, peut-être un penchant vers l'humour noir, soit l'inverse de l'humour pipi-caca pourtant mis en avant ici, plus des acteurs prestigieux qui semblent percevoir le projet comme une parodie de films fantastiques, ce qui est encore autre chose. Ivan Reitman semble s'en mêler les pinceaux et ça donne au final des petites aberrations, par exemple une scène où une centaine de militaires se fait décimer par un alien et que ce qui suit, ce sont des séquences avec des P. Donc bon, quand deux scènes paradoxales comme celle-ci se succèdent, il y a forcément une des deux scènes où l'impact sera totalement dissous à cause de la présence de l'autre. Bref, Évolution m'a donné l'impression d'être une œuvre pas tout à fait sûre de ses partis pris, à l'allure hésitante, incertaine, tout ne semble pas être complètement assumé et Ivan Reitman a l'air d'avoir abordé ce film sans prendre énormément de recul sur celui-ci, misant trop de choses sur l'influence Ghostbusters. Encore une fois, si vous êtes sensible à l'humour pipi-caca, ce film vous ira comme un gant, mais dans la mesure où Évolution renferme autre chose que des blagues pipi-caca, on peut se demander si la finalité du long métrage est réellement celle qui a été voulue à l'origine par les créateurs de celui-ci. Du point de vue de la mise en scène, Reitman propose ni plus ni moins un divertissement efficacement réalisé malgré tout, même si de temps en temps on pourra noter quelques légères baisses de régime. Le gros point fort du film, ce sont les effets visuels qui ici sont particulièrement remarquables et impressionnants. En conclusion, Évolution échappe au détecteur de bousasse parce que j'aurais eu tort de le considérer comme un mauvais film. Évolution n'est pas un mauvais film. Il s'agit juste d'une œuvre qui se cherche, qui s'appuie trop sur certaines références, qui peine à prendre son propre envol, qui ne sait pas où poser les pieds, qui ne parvient pas à ajuster correctement l'humour qu'il tente de transmettre au public. Évolution est à observer une fois, puis à oublier. Il n'est ni remarquable, ni inoubliable, il est tout simplement observable, en mettant son cerveau sur off si possible. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.